Alors, si en plus tu l'as jamais vu cette photo, ça va être incroyable. Regarde ça. Oui, je l'ai. Tu l'as celle-là? Aranita, c'est moi, James Moody. James Moody. Lui, je ne me rappelle pas comment il s'appelait. Zanini. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de cette photo? Tu te souviens un peu? Tout à fait. Donc toi, tu étais là, Tout à voilà. fait. C'est La mise au l'époque point. où j'ai fait plusieurs concerts avec Moody. Moody, qui était un ancien saxophoniste du big band de Dizzy. Et donc, celui-là, je me rappelle, oui, Dupoux, Dupoux, qui était le plus actif pour organiser les concerts et tout ça. Mais quel rôle il avait, lui, à Marseille, du coup, Lui, ce fameux Dupoux, là? ben il était C'est lui qui organisait des concerts? au nom d'un truc qui s'appelait à l'époque, à l'époque, ça s'appelait Jazz Club ou de Marseille, voilà. Donc toi, tu venais de gagner le concours. À l'époque, l'an dernier, 49, tu avais gagné le concours, c'est ça? Voilà, oui. Tu étais dans le milieu du jazz, c'était à la Schistera, à l'époque où ça jouait, c'est ça? En 49-50, c'était à la Schistera, Je réfléchis. où le microcosme des jazzmen marseillais se réunissait. C'était beaucoup la Schistera, mais là, je ne sais pas si ce n'était pas déjà le Saint-James. Non, je pense que c'était encore la Schistera, quand il y a eu les concerts avec James. C'était après un concert, ça, ou... Je me souviens. Non, je pense que c'était dans l'après-midi où on discutait de comment ça allait se passer le soir, quoi. Et vous étiez bien sapé, hein. À l'époque, la mode, c'était costard-cravate, À hein. l'époque, c'est ça. Regarde ça. Ouais. Eh, imagine les gens comment ils s'habillent. Et alors, on doit toutes ces photos à ce monsieur-là. Ah oui, voilà. Je cherchais son nom tout à l'heure. Il était sur la photo. Tu l'as vu tout à l'heure? Je l'ai vu sur la photo. Ah, alors dis-moi. La photo où tu me dis il y a deux photos, c'est le même jour, ils sont habillés pareil. Tu m'as dit, bon. Alors, il est dessus là, Jimmy Reno? C'est lui-là. C'est lui qui est derrière là? Ouais. D'accord, ok. Bah, tu vois, au moins ça m'a permis de mettre un visage. Donc, Jimmy Reno, c'est lui là, derrière. Ok. Qui était aussi un amateur du coup. C'est ça. Hein? Amateur que tu croisais de temps en temps. Quand Hupanassier, bah Hupanassier, il est derrière, il est là alors. Non. Attends. Là, ça Il doit est bah, être là. derrière, derrière. Oui, voilà. Hupanassier, Jacques Lemaire. Alors, Jacques Lemaire, je connais très très bien. C'est vrai? Oui, C'était qui? Jacques Lemaire avait un magasin de disques qui s'appelait Radio Gare parce qu'il était proche de la gare Saint-Charles. Ok. Et Jacques Lemaire recevait les disques des États-Unis. On importe. Tu sais que pendant toute la période 40, Jusque au début des années 50, quoi, au final, quoi. voilà, il y avait la guerre, il n'y avait aucun lien entre la France et les États-Unis. Et donc Jacques Lemaire, celui dont je t'ai dit, c'était le disquaire. Fais-moi voir la photo. Elle est là. C'était le Voilà. disquaire. Voilà, lui, là, voilà. C'était le Jacques disquaire Lemaire. marseillais, alors, d'accord. Voilà. Parce que là, ils sont dans une librairie, en fait. Donc, c'est peut-être la sienne. Tu Non, il n'avait vois? pas une librairie, lui, il avait. Parce que, après, là, regarde, la deuxième, c'est toujours la même date, dans une librairie marseillaise. Et on retrouve les mêmes protagonistes. Tu vois, Armstrong, il est là. Jimmy Reno, il est là. Ils sont dans une librairie, là. Donc, ils doivent forcément peut-être dédicacer quelque chose. C'est possible. Donc, est-ce que cette fameuse librairie ou magasin 10, c'était ça? Je sais pas. Non, 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 c'était autre le chose. magasin 10, c'était pas ça du tout. D'accord. Alors, ça, c'est le document dont je t'avais parlé. Il t'avait reconnu toutes les personnes. C'est, je pense, l'acte de naissance du Yacht Club. Alors, regarde, c'est daté du 8 mai 50. Alors, à ce jour, il a été fondé une association ayant pour titre le Yacht Club Méditerranéen. Son siège social est fixé à Marseille,
36 boulevard de la Liberté. Cette association a pour but la défense et la propagation de la vérité musique de jazz. Mmh. Le bureau est composé comme suit. Président Pierre Dupoux, vice-président Gérard Brunet, secrétaire Gilbert Reynaud et trésorier André Pinatel. Mmh. Marseille, le 8 mai 50. Tous ces gens-là, tu m'avais dit que tu les connaissais. Voilà, c'est ça. Parce que c'est des gens que j'ai croisés une ou 10 ou 100 fois, tu vois. Mmh. Mais comme tout ça, tu vois la date. Ça fait 73 ans. Voilà. Ah, mais c'est sûr qu'il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Moi, j'avais 18 ans et ouais. Aussi. Ouais. Et maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore là. Et il s'est passé un million de choses différentes entre-temps, quoi. C'est ça. Alors, alors là, ce que je vais te montrer, c'est... Alors déjà, est-ce que le nom de monsieur Paul Mancy te dit quelque chose? Oui. Alors, c'était qui, pour resituer? Paul Mancy était le président, entre guillemets, du Hot Club de Marseille. Oui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au jazz et à sortir de la maison, mmh. et qu'il y a eu la fin de la guerre, parce que toute ma jeunesse a été marquée par le fait qu'il y avait la guerre. Bien sûr. Et donc Paul Mancy était un véritable amateur de jazz et connaisseur. Mmh. Sa sœur Simone Mancy était très sympa aussi. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé à jouer par-ci, par-là, j'ai rencontré Paul et Simone qui animaient des genres de petites réunions, y compris chez eux, des auditions de disques pour en discuter. D'accord. Tu vois, voilà. Mmh. Alors, Paul Mancy a été... Président du Hot Club de jazz, président du Hot Club de Marseille, on va dire, voilà. Okay. Il était président toujours à l'époque où j'ai gagné les coupes là-haut, ouais. C'est-à-dire 49. Mm-hmm. Ouais. Et il est resté président pendant quelques années et il participait beaucoup à l'organisation des concerts. Ouais. C'est-à-dire que il y a eu un concert Louis Armstrong à Marseille, c'était Paul qui était le président du Hot Club à l'époque, par exemple. Donc entre Dupoux et puis Paul Mancy, c'était les deux figures qui organisaient du jazz à l'époque, à la fin des années 40, début 50. Mancy à une certaine époque et Dupoux un peu plus tard. Mm-hmm. Il y a un truc que je n'ai jamais su vraiment, mais un beau jour on a appris qu'il devait partir en Amérique du Sud. Ouais. Je crois qu'il était dans des soucis financiers, mafieux financiers, voilà. Ah bon? Parce que tu sais qu'à Marseille, quand même, la mafia existe. Le milieu, hein? Le fameux milieu. Donc il a dû fuir, il devait de l'argent déjà. Je ne sais pas, je n'ai jamais su. Alors on l'a plus vu. Ouais. Et quelques années après, j'ai su qu'il avait ouvert un club en Suisse. Ah ben voilà, ça se tient du coup l'histoire, parce qu'il habitait à Genève. Là. Mais il y a donc une période inconnue de moi. Voilà. Il n'a plus donné de nouvelles, c'est pour ça. Voilà. Ah, ok. Bah oui, parce que tu vois, Reynaud, là, il demandait des nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles non plus. Ouais, ouais. Ok, t'en sais pas plus alors du coup. J'en sais pas plus. Ouais. C'est-à-dire qu'après, il est parti de Marseille, il a fait sa vie. Mais ce que je devine quand même, c'est que quand quelqu'un est à Marseille et connaît tout le monde à Marseille, a tout un réseau de gens, mm-hmm. et qu'il est en bonne intelligence, disons, et que tout d'un coup, il disparaît, on ne sait pas pourquoi, et on apprend qu'il est allé en Amérique du Sud, c'est où est-ce que je peux aller le plus loin possible? On se pose des questions, quoi. Pour, voilà. Bah en Australie, regarde, t'es bien parti en Australie, toi. Oui, mais moi, je... Pour bricoler. Je ne me cachais pas. Ouais. Mm-hmm.
Mm-hmm.